L'ex-ministre de la Justice et gardien des Sceaux aurait été arrêté à la frontière marocaine, rapporte le quotidien francophone Le Temps d'Algérie. Cette source révèle qu'il était accompagné de l'ex-député Mohamed Benamou et un colonel de l'armée au moment de son arrestation à la frontière marocaine. Taïeblou aurait tenté de passer la frontière clandestinement, en se payant les services de passeurs. Les services de sécurité ont été obligés d'exécuter des tirs de sommation pour dissuader la caravane de continuer son chemin et d'essayer de riposter. L'ex-ministre s'est réfugié dans la maison d'un colonel, à la frontière franco-marocaine pendant 3 jours, afin de préparer sa fuite. Les services de sécurité, étant au courant du plan de fuite de Taïeblou, lui ont tendu une embuscade avant de passer la frontière. Les fuyards ont ensuite été transférés vers la ville de Boussaada. Le cortège de l'ex-ministre était accompagné de 3 voitures, contenant des sommes importantes d'argent en euros. Tous les occupants ont été arrêtés et sont interrogés par les services de sécurité. Il faut signaler que des bruits ont couru ces derniers jours sur la fuite de l'ex-ministre très proche du sérail. Des informations ont circulé dans la presse sur son installation à l'ouest du pays, après avoir conclu une importante transaction commerciale, qui consiste en la vente d'une de ses villas pour une somme de 47 milliards de centimes de dinars. Ces derniers temps, un vent de panique s'est emparé des piliers du régime de Bouteflika. Plusieurs personnes sont interdites de sortie du territoire, et d'autres ne donnent même pas signe de vie. Les frontières du pays sont en état d'alerte permanente, en cette période où ceux qui ont dilapidé les richesses nationales tentent de fuir avec armes et bagages.